Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex et Gilles, j'espère que vous allez nickel, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la construction d'un petit sorte de petit lit sympathique avec, il faut juste ça, je vous laisse observer, donc il faut une carpette, de quoi, une hache, un pot, une fleur, ou un ou plus d'arbres, mais j'ai mis une fleur, ou une orchidée, c'est plus joli, mais moi j'ai pris une tulipe blanche, un tableau, ou une painting en anglais, des escaliers de bois, un item frame, une pioche pour casser la clé ou votre décor, un levier, une lampe de redstone, deux coffres, cinq planches du même bois que les escaliers et le lit. Donc c'est un aspect plutôt décoratif. Donc c'est parti. Donc d'abord, on va poser un bloc dessus. Pose un bloc. On va casser. Ensuite, on prend la pioche et on casse deux. Okay. Ensuite, vous creusez comme à l'écran. Et vous laissez deux trous. Vous mettez un coffre, vous mettez un cassé. Ensuite, vous prenez la pioche pour casser. Enfin, vous la pioche ou n'importe quel matériel que vous avez mis. C'est ça. On met le coffre pour avoir un petit rangement sympa pour votre petit lit. On va mettre tout simplement un petit pot sur la petite table en diagonale, donc comme ça c'est mignon, et comme ça vous avez un grand stock de rangement. Vous pouvez mettre un seul coffre, mais deux c'est plus pratique pour le rangement. Vous mettez ensuite un bloc, une lampe de redstone, un levier sur le côté. Quand ça commence comme ça, on voit pas, donc le mieux c'est de mettre un mur direct là, comme ça c'est mieux, ça se voit au moins, comme ça c'est allumé, c'est discret. Ensuite, les carpets. Alors, je tiens à préciser que c'est trop lourd. Je tiens à préciser. Oui, voilà, c'est bon ça. Enfin, moi je peux faire un tableau de 2. Voilà. Je tiens à préciser que si vous êtes sur un serveur où malheureusement il y a un clear lag, vous pouvez pas faire ça parce que ça enlève ça. Mais juste les peintures. Et ça, des petits tiroirs. Enfin, ça fait une petite sorte de petit placard. Là, c'est un vrai placard utile. Donc, vous pouvez mettre le stuff. Voilà. C'est ma première vidéo sur Minecraft. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite bedroom très très intéressant. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.